Bonjour, assalamu alaikum, marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire des petits pains. On va passer à la préparation. Pour le pain maison, on a besoin 500 g de farine, 500 g de farine. Un sachet de la levure boulangère. كرام دولو تياد 90 غرام نتاع المي دافئ تخوا كويير سوب دو لا كريم فريش ثلاثة معلقات كبار نتاع لا كريم فريش غرام ديلي تياد 200 غرام نتاع الحليب دافئ اون كويير سوب دو ميال معلقة كبيرة نتاع العسل كات غرام نتاع الملح اون بتيت كويير كافي الي با بلان دو سيل سيل على حسب الذوق كارانت غرام دو بور مو 40 غرام نتاع الزبدة جبرون لا فارين غادي نصير الفارينة فطميزي لا فارين Du sel, je vais mélanger la farine et le sel. De la levure boulangère, khamira tkhobz, du miel. De l'eau, tiède, on va mélanger un peu le miel avec de la levure, du lait. Et de la crème. De l'eau, de l'harib, nzidou ghir bchouya bchouya. Parce que la farine, ça dépend. Il y en a qui prend plus, il y en a qui prend moins. On a tout, jamais, on peut donner. Exact, jamais. Ah, il manque de l'eau, ah, il manque du lait, à peu près. Il y a samida le tchrob plus le maï, il y a la farine aussi.
Là, je vais mettre dans la machine et je vais la travailler un peu. Il me reste une petite cuillère ou une cuillère à soupe. Voilà, je vais travailler ma pâte. J'ai travaillé ma pâte pendant 8 à 10 minutes. 8 minutes. Je vais rien dire, Zoubda. Descends le beurre. Voilà la pâte, elle est bien travaillée. J'ai pris une boîte. J'en ai du beurre, un peu de beurre. Ma pâte. Je vais les couvrir. Je vais les couvrir et je vais les laisser pendant 1 heure. Je vais les laisser gonfler. Voilà, la gina est. Un petit peu de farine. Je vais faire 4.
Toujours un petit peu de farine. La pâte, elle est bien. Toujours on couvre la pâte. Je vais le laisser 3 minutes. Redit sinia, j'ai mis papier cuisson. Et là, on va faire le petit chouizette. Je l'ai couvert mes petits pains et je vais les laisser 20 minutes. J'ai pris un jaune d'œuf. Une cuillère à soupe du lait. Malka kbir nta halib. Voilà ma pâte, elle est gonflée. Mettre un petit peu Je vais mettre un petit peu de graines de sésame, un peu de zrara, on dit un peu de halawa. Là, j'en ai des graines de nigel ou habba souda. J'ai mis le four à 180. Je l'ai laissé chauffer. Je vais mettre mes petits pains dans le four pendant 17 minutes, 15 à 17 minutes à 180. Mel fouq et mel taht, ou mel taht et mel fouq, en haut, en bas et en haut. Moi, je le mets au deuxième étage. Voilà, les petits pains, ils sont cuits. Je les laisse
20 minutes. Voilà les petits pains. Couper sans. On a mis un peu de crème et ils sont bien sortis. Et voilà, bsaha w raha et bon appétit. Wassalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته.